Bon retour sur Garincha 82, la chaîne des DCE en avant-première. Salut l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième équipe du championnat belge, l'équipe d'Excel Mouscron. Donc, on passe tout de suite à la présentation. La tactique qui devrait être adoptée sera un 4-2-3-1. Ensuite, la note générale minimum qui devra être atteinte sera uniquement 2,65 et non pas 2,66 comme la mienne l'indique. 65 suffit largement. Et un collectif de 95 comme d'habitude. Donc on va passer à la présentation des joueurs. Moi, vous voyez, j'en ai un de plus ici. Donc bon, je pourrais l'échanger avec n'importe lequel. Je suis là si j'ai envie. Je ne change rien, comme vous voyez. Mais tant qu'à faire, vu qu'il a 62 et que l'autre a 59, je garde celui à 62, je le mettrai sur le marché des transferts. Allez, je vous présente les joueurs. Bailey, qui m'a coûté 150. Ensuite, on a Lossigno, que j'ai payé 250. Ensuite, Godot, qui m'a coûté 150. Mézag, qui m'a coûté 300. Huger Baert, beau. Celui qui arrive à le prononcer, il le dira pour moi. 250. Ensuite, Govea, qu'on avait paqué. Aïdara, 200. Donc vous voyez, ça coûte pas toujours cher hein, si vous spammez. Au début, j'avais le courage de spammer, voilà, comme là. Et donc, ça va, ça passe. Olinga, 150. Ensuite, on a Van Durmen, qui m'a coûté 200. Palic, 150. Ensuite, on a Bolingi, bon, au choix, qui m'a coûté 200. Et ça, c'est le joueur que j'ai en plus, vous voyez, que j'avais packé. Donc, c'est même pas un joueur que j'avais acheté ou quoi, j'aurais pu me tromper sur le marché des transferts. C'est un joueur que j'avais packé, comme vous avez pu constater. Voilà, donc au niveau des postes, tout le monde est à son poste, mis à part ce joueur-là, comme vous avez pu le voir dès le début, qui ne me rapporte que 2 points de collectif, parce que c'est un MDC que j'ai mis MG. Donc, ça suffit largement, parce que tous les autres sont à leur poste. Donc vous voyez, c'est pas une équipe qui m'a coûté très cher, celle-là. Même si j'avais un ou deux joueurs paquets, je crois. Ça ne m'a pas coûté énormément. À pas 150, 200, des choses comme ça. Voilà. Et n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, de mettre vos commentaires si vous avez envie, et puis de partager la vidéo. On se retrouve la prochaine fois sur Garincha 82.